LucyTrap.com. Calibré, calibré, devant toi les dangers t'annihilés. À tout ce que j'en de toi est assuré. Le mouvement est calibré, calibré, Mona Lisa. Prends-moi à tes connaîtres. Je veux une femme comme toi, pas de doute. Mais je déposite mille pouvoirs, je vais pas délâcher. L'objectif c'est de t'avoir comme une reine. L'objectif c'est de t'avoir comme ma leader. Ah, tu vois? Tu sais, moi je connais, mais je peux pas t'aider, c'est ça le truc, tu vois? Je peux pas, je peux juste. Je te retourne t'aider, la question. Hein. Alors, prof, je dis oui au questionnaire, exactement. C'est LucyTrap Salassini. LucyTrap Salassini. Ni LucyTrap Salassini. Yo, 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 Moko Salani. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de LucyTrap Salassini. Je suis Gamer Dan à la présentation et aujourd'hui je suis en train de recevoir un très bon artiste. Vous allez tout de suite à le découvrir, il s'appelle Solfisto. Chanteur, compositeur et je dis très bon chanteur, ça il faut que je le dise. Solfisto, bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, tranquille et toi? Tranquillement. Ouais, bien arrivé. Ah merci, je suis bien arrivé. Il n'y a pas eu d'embouteillage en roue, de bagarre à côté et tout? Non, je suis bien arrivé. Ouais, tranquille, tranquille. Alors, Solfisto, comment tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Solfisto. Ok. Je suis artiste, musicien, chanteur et compositeur. Ok. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Solfisto? Je vous dis Solfisto parce que ça vient du mot sol, tu vois. Ok. Qui est la cinquième note de la gamme musicale. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est d'où vient Solfisto, je vous dis. Que ce soit Solfisto parce que ça vient du mot ouais. Sol. Genre, tu te réveilles un matin, tu dis « Ah, je m'appelle Solfisto ». Non, non, je t'ai... Sol. Donc, auparavant, d'abord, je n'étais pas Sol. Fait. On m'appelait Juda Fetou. Juda Fetou. Juda. Juda, ah ok, ouais. Ok. Et pourquoi t'as changé de Juda à Solfisto? Tu vois, c'était pas trop mon délire. Hein, tu vois. Ah ok. Je n'étais pas dans mon délire avec ces noms. Ouais. Raison pour laquelle j'ai changé. Ah, okay. J'ai dit « On va m'appeler Sol ». Tu vois. Sûr. Et je te jure, c'est bien trouvé. Alors, Solfisto, à quel moment tu te découvres artistiquement? Là, tu te dis, ok, là, je suis prêt à faire de la musique. C'était à quel moment? Il y a combien de temps? C'était en 2019. Ok. Ouais. Il fit quelques années plus tard, j'étais aussi choriste dans une église. Ok. Tu vois, et à part ça, j'avais aussi une fréquentation avec mes bros. Où j'étais intégré dans un groupe de festivités. Ok. Pour donner de la force aux artistes. Ouais. Et aux danseurs, tu vois. Alors, lors d'une répétition, nous étions avec des artistes, okay. Ils répétaient. Et du coup, comme ça, j'ai eu une sensation de faire quelque chose, tu vois. Ouais, et tu t'es dit, là, il faut que je le fasse. Ouais, soudainement, j'ai commencé à écrire les tests, c'est comme ça a commencé. Ah, ok. Ouais. Et au moment où tu te découvres, comment tes proches ils le prennent? Parce que tu sais que c'est pas facile d'être accepté comme artiste, ou ça n'a bon, ça pas toujours été facile, quoi. Comment eux ils l'ont pris? Mais en fait, moi, j'avais pas confiance en moi dès le début. C'était eux. Ah ok, c'est eux qui te poussaient. Ouais, c'est eux qui m'ont poussé. Ah ok. Parce qu'ils aimaient déjà ce que je faisais. Alors, ouais. Ils m'ont encore encouragé, ils m'ont dit non, allons faire ça. Allons enregistrer, allons faire la prod. Tu ouais. Vois. Déjà là tu parles d'enregistrer. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu es allé au studio? Ouais, je me rappelle. Explique-moi cette journée-là, comment elle était? Tu t'es arrivé à quelle heure? T'as fait quoi? Quand t'es arrivé au studio, comment ça s'est passé? Tout ça, tout ça. Ben, j'étais chez moi. Ok. Tu vois. C'était chez moi et par après. Je me suis dirigé vers les studios avec les bros. Okay. Nous sommes arrivés. Nous étions très bien arrivés, tu vois. Je suis arrivé et j'ai trouvé les beatmakers. Je ne savais même pas comment les studios étaient. Ouais, ouais, ouais. Je suis arrivé, j'ai regardé. Ben, on m'a dit, ce que tu vois devant là, c'est les micros fantômes, tu vois. T'as pas peur du micro fantôme? Ouais, n'aie pas peur, voilà. Vas-y, tu vas y arriver. c'est comme ça, bon, ça a commencé. Et quand t'es arrivé, chante-moi en acapella le couplet que t'avais posé ce jour-là. Pour que je sois dans la même vibe, pour que je capte ton énergie et tout, tu vois. Ben, c'était comment d'abord? J'essaie de me rappeler. Hein. Ouais. Attends. Vas-y. Ok. Au commencement, c'était difficile. C'est comme de vous aimer, mais c'est vraiment réel. Je baise le meuf du matin au soir. Je gagne ma vie sans espérer à personne. Je vais de la trafico, je m'en suis obligé. La moulin nous appartient. Et cette ville est blanche, mon bro, tranquille. Du genre comme ça, j'ai oublié, tu vois.
et les refrains chantés. On s'est longé, sans avoir dit quelque chose. On s'est longé. Donc c'était moi qui faisais ça. Une très belle voix, frère. Félicitations. Ah, merci. Et dis-moi, c'était en feat ou tu étais seul sur le morceau? C'était en feat. Nous étions, nous étions à 5. 5? 5, quoi. Oui, ça, c'est un EP. Le son, il avait combien de minutes? C'était pour 4. 4 minutes, wow, ouais. Trop chaud, trop chaud, trop chaud. Alors dis-moi, c'est quoi ta plus grande motivation dans la musique? Ma plus grande motivation, en fait, c'est le fait de faire une bonne qualité, la sonorité, tu vois. Okay. Et du coup, les gens, ça leur plaise, tu vois. Ouais. Et ils m'encouragent, c'est ça ma motivation, en fait. Ah, ok, ils t'encouragent. Et c'est quoi le plus grand rêve que tu as pour ta carrière? Ben, mon plus grand rêve, tu vois, c'est ramener la musique trop loin, tu vois. Ok. Et c'est aller avec ça trop loin, pas pour rester ici. Les Grammy Awards, tout ça, tout ce qui va avec. Ouais, tu connais, tu connais, tu connais. Alors, en fait, là, on a parlé des rêves que tu as. Tu veux mener ta musique trop loin? Ouais, bah, je vais déjà ramener. Tu l'as ramené au Lushi Trap, c'est déjà quelque part. Ouais. Du coup, on prend le clip Champion d'Afrique et on se retrouve juste après. D'accord. D'accord. Hey, hey, tu nous connais, t'es kiff. Sololos, autorité de Mythios. Lipboy, Spirito Solo Filato. Je vous l'assure encore une fois, oh. Il est champion. Il assure des championnats et des combats. Ma chérie ne l'ignore pas, vas-y tout doucement comme dans un film. Il s'est fait avec des autorités, par le pas de la magie qu'il a mis du soir. Non, avec lui c'est le travail, c'est donc enfin il s'est couronné. C'est de gauche, c'est de droite, hein. C'est de gauche, c'est de droite, hein. Tout accroché, Congo mon pays, on est fiers d'avoir un champion comme Djama David. Djama David. Le champion d'Afrique, le champion d'Afrique, Djama David, le champion du Congo, le champion du Congo, Djama David, le champion d'Afrique, le champion d'Afrique, Djama David, le champion du Congo, le champion du Congo, Djama David, tu le champion d'Afrique, c'est lui le champion, mon gars, j'ai ta cire, il assure sa force, mon gars, il assure, il travaille chaque matin, midi et soir, c'est une galvanisé. C'est la bourse que lui a valorisé. Si le ring gauche-droite, il te met KO. Il perd qui te crochet, il te met KO. Avant les gens le prenaient comme une bête. Aujourd'hui celui il est à la tête. Le serifant le met par terre, y'a pas de commentaires. L'effort comme son père, c'est son temps pour briller. Laisse-lui profiter, il a beaucoup souffert. Souffert. Il a cassé beaucoup de prières pour s'en sortir. Beaucoup de prières. Celui l'espoir du Congo le croit. Le roi. Le Bunjanja, celui le miroir. On le fait tous du bien, c'est un homme bien. Djama David, celui le champion d'Afrique. Djama David, c'est lui le champion, yeah, yeah. Oh, les champions d'Afrique, yeah. Il est champion, il est champion. Djama David, il est champion, il est champion. Champion d'Afrique, il est champion, il est champion. Djama David, il est champion, il est champion. Il est champion du Congo. Djama David, le champion d'Afrique, le champion d'Afrique. Djama David, le champion du Congo, le champion du Congo. Djama David, le champion d'Afrique, le champion d'Afrique. Djama David, le champion du Congo, le champion du Congo. Hey. Tu crois que tu lui fais peur parce que t'es grand comme Grand Khalil. Djama David Zikobangate, Makofi Zali.
champion frégate. On aime bien. Ah, merci. Salfesto, grosse force et big up à Flex, le champion dans le clip, donc on aime ça, nous. Et dis-moi, c'est quoi le rapport que tu as avec David Chama? Ben, c'est un vie à moi. Ok. C'est un vie à moi et très proche, tu vois. Et on s'est fréquenté il y a très longtemps. Tu es un manager ou bien? C'est pas un manager, j'ai un manager en fait. Ah, okay. Ça moi laisse des airs, mais d'ailleurs, un grand coup de chapeau pour lui en fait. Attends, salut, 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 ouais. Salem. Et le vieux, c'est juste un vieux. On a fait une connaissance, c'était au club du boxing. Tu vois. Okay. Au moment où je faisais de la boxe, c'est où j'ai fait une connaissance avec lui. Donc, il nous apprenait, il nous frappait, tu vois. C'était ça. Voilà, mon bébé. Ouais. Ben, je ne m'attendais pas à faire ça, tu vois. Ouais. On dit toujours, l'avenir est sombre. Aujourd'hui, sure. Je l'accepte parce que il est un grand champion, tu ouais, vois, c'est un champion d'Afrique. Okay. Et c'est un vieux, tu vois. J'ai fait ça pour lui. J'ai fait ça pour lui parce que c'était énorme ce qu'il faisait pour nous auparavant, okay. Tu vois, et tout ça. Raison pour laquelle j'ai chanté pour lui. Et explique un peu l'idée du son. Il a ramené une ceinture, une médaille ou comment ça s'est passé? Pourvu que je fasse, il était dans une compétition. Ah, ok. Au G Festival au Japon. Il a remporté une victoire et par après, il a été éliminé, tu vois. Il est retourné en Afrique. Oui. Il a remporté aussi la ceinture des champions d'Afrique. Le numéro 1 ? Le numéro 1, oui. Wow, ça, c'est encouragé. Hein. Ouais. Alors, je me suis dit non. Il ne savait même pas, tu vois. Ouais. Il ne savait pas. Ça, c'était mon idée. C'était mon idée. Je voulais le faire. J'étais avec les managers. Et par après, je me suis inspiré, tu vois. Ouais. C'était un peu ça. Mais alors, quand tu t'es inspiré, comment tu faisais au fait? Tu as d'abord eu l'instrumental, soit tu as d'abord écrit le son. Et dis-moi, c'était comment? J'écrivais juste les textes. Ouais. J'avais pas encore d'un stream, mais j'avais une idée, okay. Tu vois. Je t'ai dit, mais dans mon bois, quand on fait le mba, ça. Ouais. Bon, c'était juste pour l'honorer, tu vois. Ouais. J'avais juste une idée, j'avais le stream, tu vois. Okay. Une stream dans mes pensées. Et j'ai fait ça, en fait. Et quand tu as fini de faire tout le son, et quand tu es allé lui présenter le son, comment il a pris? Il avait beaucoup kiffé. Ouais. Il ne s'attendait pas. Il a dit, bon, c'est pour moi ce que tu viens faire là. En compétition avec la bière. Hein. Bon, depuis longtemps déjà, il y avait déjà la bière. Il nous met à l'aise plutôt. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et dis-moi, comment il a pris. Enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il avait kiffé, en fait. Il a kiffé la chanson. Ouais. Il a dit, non, on doit sponsoriser ça. Ouais. On doit réaliser un clip. Il avait beaucoup aimé. Avec Shadira. Ouais. Beau clip, hein, félicitations. Ah, merci beaucoup. Ça se voit, t'es à fond dans ta musique, tu fais que des bons trucs, tu vois. Ah, merci. Bon, là, on va se détendre un tout petit peu. On va faire une sorte de jeu de pays. Bon, c'est la forme, tu vois. Ouais. Vu que ton nom commence avec S, tu vas me donner un pays qui commence avec S, une capitale qui commence avec S, une chose, bon, par chose, moi je vais remplacer les choses par autre chose, en fait. Une fille, le nom d'une fille, un garçon, une voiture, un fruit, un sport et une star. On commence avec le pays. Un pays qui commence avec la lettre S. Sud-Afrique. Ah, ok, tranquille. Une capitale qui commence avec la lettre S. Une capitale avec la lettre S. Je ne sais pas. Maman. Oui, Batarbamb. Une marque de téléphone qui commence avec la lettre S. Et Samsung. Ah, ok, tranquille. Le nom d'une fille qui commence avec la lettre S. Sonia. Sonia Pembe. Tu dis bien quoi? Sonia. Ah, non. Ouais. Alors, la marque d'une voiture qui commence avec la lettre S. Surf. Ok. Ouais. Un fruit qui commence avec la lettre S. Un fruit. Ah, tu vois? Tu sais, moi je connais, mais je peux pas t'aider, c'est ça le truc, tu vois? Bon. Je peux pas, je peux je juste. Je te retourne la question. Hein. Alors, prof, j'ai dit oui au questionnaire, exactement. Un sport qui commence avec la lettre S. Un sport. Ouais. Les sports. Bah, dites-moi en commentaire si le sport est un sport. Hein. Voilà. Et le nom d'une star qui commence avec la lettre S. Solfesto. Solfesto, ah lourd. Ça se kiffe bien envoyé. D'accord. Alors, Solfesto, j'ai mis le son champion d'Afrique. Ah, merci. Et dis-moi, c'est quoi le son que tu as sorti juste après champion d'Afrique?
J'ai sorti Rena en fait. Rena ? Ouais. Rena, ça parle de quoi ? Il y a beaucoup d'amour, tu vois. Ok, tu dis dans quoi Rena, dans le fond ? Dans le fond, je suis en train de demander à la fille qu'elle m'apprenne au moins à la connaître, tu vois. Ok. Et tu vois, avant de t'engager dans une relation, il faut savoir les points de vue, tu vois. Ça se voit, t'es un lover, toi. Pas tellement. Vas-y, raconte. Il faut savoir la négativité, la positivité, tu ouais. vois. Et raison pour laquelle, dans Rena, je suis en train de demander qu'elle m'apprend à la connaître, tu vois. C'est... Et par rapport aussi, j'ai aussi expliqué. Tu vois, Rena, elle n'est ouais. pas une fille forcément pas comme les autres, tu vois. Ok. Elle sait faire les choses différemment des autres. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Ça se voit, t'es passionné quand tu parles de ça. C'est personnel, tu sens ? Ou c'est un truc que t'as vécu ? Ben, non. Mais ça se voit, tu racontes avec passion, tout ça. Non, c'est pas un truc que j'ai vécu. J'ai voulu faire ça, tu vois, c'est venu naturellement. Okay. J'ai cherché et c'est venu naturellement, tu vois. Tu nous as vraiment mis l'eau à la bouche, alors on prend le clip de Rena, on se retrouve juste après. Apprends-moi à te connaître. Je veux une femme comme toi, pas de doute. Mais je dis vous êtes mille pouvoirs, je vais pas délâcher. L'objectif c'est de t'avoir comme une reine. L'objectif c'est de t'avoir comme ma leader. En douce de belle vie, en douce de ta rien. Je vais tout veiller. Tout ce qui était personnel, pourtant que j'avais oublié, j'aurais toujours besoin de toi. Je vais trouver tout ce qui était comme solo, solo, fais tout. Pourtant que j'avais oublié, j'aurais toujours besoin de toi. Rena, 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 Mudo toi ma Maria, Mudo toi ma Maria, Rena. Rena, 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 Mudodo ama Maria, Mudodo ama Maria. Quiero conocer mejor tu vida. Quiero una mujer como tú. Eu tu vida, no mar. Eu te amo mesmo que tenhas mil poderes. Eu adoro no mar. Eu adoro no mar. Ela é tudo para mim neste mundo. No escuro, ela é minha luz. Eu adoro no mar. Eu adoro no mar. Ela é tudo para mim neste mundo. No escuro, ela é minha luz. Rena, 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 Rena. Mudou do ama Maria. Mudou do ama Maria. Rena. Rena, 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 Mudodo ama Maria, Mudodo ama Maria. Lele, 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 lele. De retour sur ce plateau de Luchi Trap Salatini avec notre invité Soul Fisto. Soul Fisto, félicitations pour le son. Merci. C'est gros son. Merci. Mais tu sais, ce son, si je l'avais écouté en audio et on m'avait pas dit que c'est toi, j'allais pas à croire. Déjà la voix, c'est un peu d'adieu, je te jure. D'accord. On te le dit tout le temps ? Ben, la plupart. Mais dis ça, ouais. T'as la voix d'adieu et tout, c'est ton frère ? Non, c'est pas mon frère. T'es peut-être ton fils. Qui c'est ? Il n'est même pas mon fils, en fait. Non, t'es peut-être son fils. Alors, raconte-moi, dans quelle vibe tu étais quand t'écrivais le son ? T'avais un gourmand ou t'étais dans un petit trip romantique et tout ? En fait,
J'ai pas bien compris la question. Tu as dit quoi? Ah, ok. Dans quel... Bon, t'avais quelle énergie quand t'écrivais le son? Tu vivais quoi cette période-là? Bon. Personnellement, la chanson en question, ouais, c'était une histoire pour une autre personne, tu vois. Ah, ok. Quelqu'un des proches, il a vécu cette histoire. Il voulait connaître la fille. Non, il voulait connaître la fille, oui. Ok. Exactement, en fait. Et du coup, tu vois, la fille, bah, elle était une fille d'un bon délire, tu vois. Ah, ok. C'est alors qu'il demandait qu'elle puisse endossir sa vie, ouais, etc. Voilà. Et quand t'as fait le son, la fille ne t'a pas cherché par hasard? Non, et tout, t'as bien fait le son, il faut qu'on se voit, il faut... Ah non, non, elle ne m'a pas cherché. Voilà, voilà, on pique à Shiva, t'as coupé, hein, le champion. Alors, quels sont les artistes que tu apprécies, genre, tu apprécies par leur parcours et leur carrière? Cite-moi 5. 5. Lubumbashi, c'est ça, Lubumbashi, partout. Ben, il y a Laurent Daigle. Ok. Et Vianney. Ok. Les deux sont mes kiffs. Ongezaba 3. Non, je vais pas. Les 3, j'en ai pas, en fait. T'es sûr? Ouais. Laurent Daigle et Vianney. C'est bon, comme tu le dis. Ah, on a crâné, on a poussé un feat. Un feat avec qui? Avec qui? C'était une surprise, on a poussé. Ouais, dis-moi. Dans quel style de musique tu te sens beaucoup plus à l'aise? Dans l'R&B. L'R&B, ouais. Ah, ok. Est-ce que ça t'arrive aussi d'écrire sur de la trap, sur des instrumentales rap ou de la mapiano? Exactement. Ouais. Ah, ok. Et d'ailleurs, j'ai l'un de mes projets aussi. Okay. J'ai chanté sur la drill, tu vois. T'as chanté sur de la drill? Ouais. Ah, ça va être lourd, hein, ça va être lourd. Moi, j'attends ça. Et artistiquement parlant, en fait, tu te places à quel niveau sur une échelle de 1 à 10? Et pourquoi? Voilà. Par rapport à tes attentes, tu vois, par rapport à ce que toi tu veux devenir, tu te places à quel niveau? Je dirais sur le deuxième niveau. Donc, donc dès que tu arrives à 10, c'est le feu. Hein. C'est le feu, ouais. Déjà, au deuxième niveau, chantes très bien sans autotune, ça c'est la félicité, puis c'est très rare dans notre industrie. Mais non. Merci. Dis-moi, ok, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu passes au troisième niveau? Il faut un boosting, tu vois. Il faut les moyens. J'ai besoin de plus de moyens, tu vois. Non, artistiquement parlant, ça c'est en toi, tu vois. Ça c'est en moi. Ouais. Ben, il faut plus de travail. Plus de travail. Plus de travail. La persévérance, tu vois. Ah, c'est sûr, et surtout le temps. Ouais. D'accord. Moi, je vais t'appeler Monsieur Reyna, parce que j'ai trop aimé le son. Monsieur Reyna, on va prendre une petite pause et on se retrouve juste après. D'accord. Alors, de retour sur ce plateau de Lushitrap Salassini, nous sommes toujours avec notre invité, Reyna. Monsieur Reyna, moi, c'est comme ça que je vais t'appeler, hein, sans le fisto. Alors, tu m'as dit que t'as un son drill. J'aimerais que tu me fasses un acapé là, tu son drill là. Encore? Ouais, bon, tu chantes trop bien, moi, j'ai envie de t'écouter, tu vois. Et puis, je suis pas le seul, je suis sûr qu'il veut aussi t'écouter. J'ai cette chanson, c'est un featuring, tu vois. Ah, ok. C'est un feat avec deux personnes. Ah, ok. Vois. C'est qui, ces artistes-là? Il y a Trey, il y a encore Luke Boy. Ah, ok. On Luke Boy, c'est ton gars sûr, hein? Ouais, c'est mon gars sûr. Là. On a eu à partager des relations si proches. Ah, ouais, c'est sûr. Yeah. Alors, tu me fais la capella? De ta partie. D'accord. De partie, tu penses que t'étais la seule dans ces mondes, ça c'est faux. Tu es scellé solo, comme Solfesto. Dormi moi-même, ma vie tout seul. Et je m'emmerde dans mon préchaud. Je suis tout seul, je reste des solo, lo, lo, lo. Ma vie c'est elle, solo, lo, lo, lo. Et c'est comme ça, je suis trop court. Trop court dans ton couplet? Ouais. Mais c'est trop fort, t'es tout seul, t'es solo, tout ça. Je ne préfère pas en parler, tu vois. Allez, moi je veux que tu m'en dans l'émission, moi, en fait. Moi je veux que tu m'en parles aujourd'hui. dans la chanson, je suis en train de parler sur une dame, tu vois. Ah, ok, je t'ai dit que t'es un loser. Il y a la tromperie, tu vois. Ok. La tromperie. Et c'est sur ce que je suis en train de chanter. Tu vois, genre elle m'a quitté, tout ça. Ouais. Et je suis en train de la faire voir que je vais rester,
je vais avancer. Tu vas rester avec ton gouma. Ouais. Alors, bon, quels sont les projets à venir? Ouais, en fait, j'ai des projets à lancer bientôt là. En fait. Ok. Il y a les titres, je dirais à maman, ça va bientôt arriver. C'est quoi le titre? Je dirais à maman. Je dirais à maman, ok, ouais. Qui sort d'ici peu. Ouais. Ok. Il y a aussi Mona Lisa. Mona Lisa? Ouais. Okay. Mona Lisa, je fais en lingala, tu vois. Wow, donc ça va être lourd, hein, ça va être lourd. Et d'ailleurs ça, je vais prolonger avec ça jusqu'à la réalisation. Mais avec je dirais à maman, c'est, je vais publier ça en audio. Ah ok. Et tu racontes quoi dans Mona Lisa? Mona Lisa, je suis en train de parler sur une femme mystérieuse, tu vois. Les femmes. Ouais. Non, vas-y, explique. Ben, je préfère pas en parler pour Mona Lisa. Ah d'accord. Je vais revenir et je vais bien vous expliquer. Ah, sur René, là, tu d'accord. Connais la maison, tu vois, tu passes quand tu veux. Et pour 2023, tu as prévu de sortir combien de temps? Pour 2023, ouais. Y en a plusieurs, tu vois, il y en a plusieurs. Je pense que je vais sortir beaucoup de sons, en fait, tu vois. Ah, ok. Ouais. Donc, ça va être saturé avec ta voix. Donc, d'ici là, t'as quoi, Evie, hein? Il m'a dit Wagon, la star, hein? Exactement. Ouais. Alors, déjà, nous sommes en train de chuter. C'est parce qu'à la fin, il faut que tu donnes tes contacts, comment les gens ils te contactent, tes comptes Instagram, Facebook, ton numéro s'il le faut. Ouais. Ben, je ne donne pas mon numéro. Ah, ok. Pour me retrouver, en fait. J'ai un compte Instagram, Solfesto officiel. Okay. Pour bien plus d'infos, il faut contacter mon manager, tu vois. Ok, c'est quoi le compte du manager, le numéro du manager, tout ça? Samuel SDZM. Ok. Pour les comptes Instagram. Oui. Et son numéro, c'est 099 okay. 75 okay. 600 okay. 51. Ok. Voilà. 099 okay. 75 600 51. Ouais. Alors, un dernier mot avant qu'on se lâche. Mais on va se lâcher en acapella quand même, parce que toi, tu chantes trop bien. On va se lâcher en acapella. Un dernier mot avant ton acapella. Que je le fasse? Ouais, non, genre un dernier mot, un truc à dire et tout. Ben, j'aimerais juste demander aux gens d'aller s'abonner sur ma chaîne YouTube. Okay. Au nom de Solfesto, en fait. Et je suis en train de leur préparer des trucs de lucieux repas. Voilà. Ça va être lourd. Ben... Alors, Solfesto, on a fini. Mais avant de finir avec toi, fais-nous un truc, s'il te plaît. J'ai envie de t'écouter chanter, tu vois. Ben, je vais faire un trick, mais de Mona Lisa. Je vais essayer de chanter une courte partie, voilà. Non, chante tout, frère, s'il le faut. Chante tout. J'aimerais pas que tu me laisses sur ma fin. Vas-y. Ok. Nami tuna kambale bele ponaeba. Yozanani, obosani sakanga, bamakambuna nganyoso, hey, Mona Lisa, anamona kakayo, biziganyoso, tina bandoto nanga, hey, tina bandoto nanga, hey, devant toi les dangers t'annihilent. À tout ce que je vois de toi est assuré. Le mouvement est calibré, calibré, calibré. Devant toi les dangers t'annihilent. À tout ce que je vois de toi est assuré. Le mouvement est calibré, calibré, calibré. Mona Lisa. Ça arrive, voilà. Ah, c'est lourd. Mais tu m'as quand même laissé sur ma faim parce que moi, je voulais tout écouter, mais quand même, on attend la sortie du son pour l'écouter en intégralité. Et je profite de saluer quelqu'un, en fait. Ouais, vas-y. Les big managers, Bader Kabale. Okay. J'ai salué aussi toute ma famille, voilà. Ok. Et un grand coup de chapeau à mon équipe managériale, tu vois. Ouais. Samuel SDZM et Gracias Boy. On est ensemble. Voilà. T'as salué tout le monde, mais pas moi. Et toi également. Alors, merci beaucoup, c'était un plaisir de te recevoir sur notre plateau et voilà, merci. Merci beaucoup. C'était Luchi Trap Salassini, 3e saison, 12e épisode. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir Solfesto sur notre beau plateau. Un artiste très talentueux, vous l'avez vu de vous-même, il a très bien chanté, très belle voix. Félicitations encore une fois, frère. Merci. Et pour tous ceux qui aimeraient nous contacter pour un placement de produits de la publicité, contactez-nous au numéro affiché au bas de l'écran. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à toutes nos pages Instagram, Facebook et YouTube, Luchi Trap. Et on se dit ciao, à la prochaine. Peace. Voilà. C'est Luchi Trap Salassini.
Louchi Trap Salassini. Ni Louchi Trap Salassini. Yo, 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 Oko Salami. C'est Louchi Trap Salassini. It's Louchi Trap Salassini. Ni Louchi Trap Salassini. Yo, 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 Oko Salami. LouchiTrap.com.